famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la personnalisation de chaîne YouTube. Abonnez-vous, vous qui n'êtes pas abonné, et likez la vidéo. Nous allons lancer Safari Google. Voilà, sur l'outil recherche, nous allons taper YouTube. Voilà, nous allons suivre la chaîne. Nous allons devoir nous connecter. Voilà, comme ça donne, nous allons sur le 3 points du dessus, ordinateur pour avoir la version ordinateur. Donc voilà, la version, nous allons zoomer à gauche, les 3 points qui sont juste là, nous allons aller sur ma chaîne. Voilà, comme une chaîne non personnalisée se présente. Donc voilà. Nous allons nous déconnecter et atterrir sur la chaîne que j'utilise, ma propre chaîne à moi. Voilà comme elle se présente. Il y a une très bonne présentation. Tout est clair et on s'y retrouve aussi facilement. Donc voilà. Nous allons zoomer et nous déconnecter, revenir sur la chaîne que nous allons devoir personnaliser. Donc la roue qui est juste là à côté de s'abonner, on clique dessus. Nous allons descendre, dézoomer un tout petit peu. Voilà, personnaliser la présentation de la chaîne. Nous ramenons le curseur à droite, soit on clique dessus. Voilà, parfait, c'est en bleu. Et le conditionnalité, garder privé, les abonnés, tout est bien enregistré. Donc voilà, nous allons faire enregistrer. Voilà, parfait. À présent, nous avons l'onglet accueil, vidéo, playlist, chaîne et ainsi que à propos. Nous allons devoir changer le profil. Je vous invite vraiment à changer le profil pour que certaines personnes qui vous connaissent vous identifient aussi facilement. Nous allons nous intéresser à propos, pays. Nous cherchons le pays. Voilà, là il est indiqué l'adresse email. Mettez votre adresse et nous cherchons le pays. Moi je suis en Russie, donc je cherche la Russie. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a tout le pays du monde répertorié sur ce lien. Donc voilà, pays mis à jour, je pense que vous voyez. Nous allons dézoomer, nous entrons sur lien. Ces liens servent à ramener votre page Facebook, votre page Twitter, dans tous vos comptes que vous avez, vous pouvez le relier à votre chaîne. Parfait. Nous passons maintenant à la description. La description sert simplement à illustrer les heures de publication, ce que vous faites sur votre chaîne, quels sont le sujet carrément que vous abordez tout le jour dans vos vidéos. Vous pouvez vous lâcher d'écrire votre chaîne telle qu'elle réellement et inciter les gens à s'abonner tout en l'écrivant bien sûr. Et vous pouvez rajouter également des liens sur quelques vidéos déjà faites. Donc voilà. Une fois fini, vous cliquez sur OK. Voilà, on descend, on clique également sur OK, parce que je pense que c'est bon. Parfait, nous allons dézoomer. Voilà, tout est bon à présent. Nous revenons sur accueil. Je vous invite également à faire vos playlists, à répertorier vos vidéos si vous en avez assez. Donc voilà. La flèche du dessus, c'est pour importer vos vidéos. Nous allons nous intéresser de côté pour aller sur le paramètre YouTube, la roue qui est juste en à côté. Donc voilà, c'est ici que vous devriez mieux paramétrer votre chaîne. Donc voilà,